ça nous a donné un boost, mais voilà, on s'est dit, voilà, il faut continuer. On ne va jamais rien te donner au standard. Et on le sait, c'est que jamais on va te donner quelque chose. On ne va pas te donner le cadeau. Donc, il faut aller chercher tout. Il faut aller voler les cadeaux, tu vois. Je rigole. Donc, non, mais voilà, on a été là chercher et je suis content pour l'équipe. Non, là, c'était pas de l'énervement, c'était plus de la rigolade un peu, tu vois. C'est tranquille. Quand le public criait Baraki, toi, après avec le micro, tu dis Smol aussi. Non, vraiment... j'ai pas mis Baraki, j'ai dit c'est qui le Baraki, tu vois. J'ai posé une question, tu vois. Et ils m'ont répondu Didier. Tu vois, mais moi, j'ai pas dit que c'était lui. Moi, j'ai juste posé une question. Ça t'a touché personnellement qu'ils disent ça? Pas touché. Toi, je suis pas un Baraki, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu sursaut d'orgueil comme ça, tu vois. Sursaut d'orgueil comme ça, tu vois, mais pas insulté, tu vois, mais après, je sais que voilà, c'était lui aussi, il a voulu un peu, tu vois, peut-être chauffer, mais il l'a mal fait, quoi. Surpris de voir le coach sur le terrain, quand même? Non. Le connaissant, non. Il y a encore les autres. Mais, tu vois, c'est compréhensible, tu vois, les émotions et tout ça, tu vois. Après, je suis sûr, peut-être, il va penser, il va dire, ouais, peut-être j'ai un peu, tu vois, mais c'est le football, c'est ça. Dans le football, t'as besoin de ce genre d'émotions et tout, tu vois. C'est ça qui fait que vous kiffez les classicos et vous kiffez les matchs, non? C'est vrai ou pas? Oui, voilà.